Ouais, je suis là. Juste mentionner, on va avoir des passages de planches. Donc, les enfants qui sont proches, juste faire attention pour éviter peut-être des bois qui peuvent remoler. Donc, juste faire attention à ça, s'il vous plaît. OK, s'il y a des enfants proches, reculez! Reculez, les enfants! Tous les enfants, on recule! Hein? OK, kids! Parce qu'il faut dire en anglais, there's anglophones too. So be careful with small pieces of wood, they will break stuff. So please, reculez. Back down, please, back down. If you need glasses, I'll give you mine. But be careful. Je ne sais pas si. Qu'êtes-vous quoi, c'est pas une bombe qui va exploser. Tout est sous contrôle. On a besoin de. Il y a des gens qui ont fui. Ouais, c'est ça, il y a des gens qui sont partis en courant. C'est le graphe de Ponzi, ce qu'on appelle une technique de blocage. On attaque. Voilà. Et puis, on goûte le matin. Avec le cri, on fait beaucoup de cris au taekwondo, donc la force intérieure. Technique traditionnelle, le technique traditionnel, les gens qui ne font pas le compétitif. On voit qu'il y a beaucoup d'intensité dans ce qu'on voit. Et plus de concentration aussi. C'est le penser avec des adversaires imaginaires partout. Gauche, droite, en avant. Donc Florence, il est en train de faire un exposé de pensée. Let's go Florence! On encourage Florence! Let's go Flo! La technique, beaucoup de respiration, expiration dans le mouvement aussi. Faites du bruit pour nos superstars du terrain.
Taekwondo, guys. C'est impressionnant. Il fait un kick, circulaire, archegi. Déclé d'un bac. Archegi, il est bagu. Il est très efficace aussi. 360, la technique la plus impressionnante au taekwondo. Des techniques complexes. Donc on a 3 ou 4 techniques. C'est des techniques. Ah, bienvenue! Oh. Qu'est-ce qui se passe après le contrôle? Donc c'est une défense. Donc l'autodéfense, le self-défense, le taekwondo aussi. Tu peux te défendre avec des techniques quand tu es attaqué par quelqu'un. Il y a un assis en guerre. Regardez Florence, qu'est-ce qu'il va faire à Marianne? Elle réplique rapidement avec une... la même chose. Z. Donc, ça c'est le taux défense au taekwondo. Les jambes, on travaille beaucoup avec les jambes, les scrims des jambes. Donc, c'est ça. Nice. C'est ça qu'ils font à Cobra Kai. Oui, c'est vrai. Wow, bravo! Good. C'est mieux que le Cobra Kai. Oh oh. Et là, pourquoi on met l'équipement là? Le sparring, le combat. Donc on arrive à l'action maintenant. Parce que quand tu vois des choses comme ça, Georges, là, ça te donne pas le petit inch à faire. Moi, j'ai juste pour faire un petit affaire de même. Non, mais c'est pas d'avoir ça, c'est des inventions ouais. Traditionnelles. Et puis, souvent, les gens qui commencent, c'est avec ça, c'est. Mais comme on voit, ça fait des années qu'ils s'entraînent, ces athlètes-là. Essayez pas de faire ça à la maison avec vos frères et sœurs. Hein? Ils ont beaucoup de contrôle. C'est une belle démonstration. C'est une simulation de combat. On a un arbitre. Quand il y a des erreurs, l'arbitre demande des kamjan, il demande le point pour l'autre. Donc, Aubert, 360. Donc, il va les placer. Et il va déclarer, bien sûr, l'esprit sportif. Donc, bravo! Bravo! Vivien, Marie-Marie. Vivien de Marianne, ça? Oui. Donc, Vivien, c'est une prometteuse aussi aux Jeux Olympiques. Il a donné Kamjan à Vivien parce qu'il a reculé. Il ne pas combattre. Donc, le point, il va aller pour Marianne. Huichegi, Magic. Donc, ça marque. Avec le pinch aussi avec la main, on a un point. C'est extrêmement rapide, hein? Très rapide, des fractions de secondes. Le coup de pied à la tête, c'est payant dans le haut niveau. Donc, il y a les suites de fondée. De quelle façon est-ce qu'on peut marquer des points en taekwondo? On peut marquer, Viviane, si tu permets, on va juste vous montrer. Garde le placement, s'il te plaît, Viviane. Marianne? Un coup de pied ici, un coup de pied circulaire. Ça, c'est combien de points pour le public? 5! Qui dit 5? Non, c'est pas la bonne réponse. 2! Qui dit mieux que 5? 2! 2! Excellente réponse. On va aller à la 12e technique maintenant. Donc, combien de points ici? 5! Qui dit mieux? La bonne réponse, Marianne. 4 points! Et on va aller maintenant avec. Le col à la tête, zut, on touche. Combien de points? 5! Ça, c'est payant, ça, au niveau. Oui, tu veux changer? Oui! Let's go! Non. C'est trois. C'est 3 points, ok. Et point circulaire, combien de points? 5! Coup pied circulaire à la tête. Ça, le punch, comme il a déjà, le champion. On va revenir pour ça, mais le punch, c'est combien de points? Passer un point. Merci Georges. Ah. Allez, on t'a pas oublié pour notre question. Ok, les effets de la technique, il a dit notre champion Georges. Combien de points, champion? C'est 3 points.
Oui, bravo, excellente réponse. Waouh, c'est bon, hein? Ben, je dis ça comme si c'était pas ta job pendant toute ta vie, là. Waouh. Oh, ok, on fait juste un disclaimer encore. Ouais. Guys, les enfants, il n'y a pas de danger, là, mais faites juste attention à vos petits yeux, ok? Kids, just be careful, there's gonna be a petit bout de bâton qui va voler. Ça, ça vaut aussi pour les employés du Cool Boss. Donc la partie cassage, c'est la partie la plus impressionnante de Taekwondo. Donc ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de précision.